depuis des dizaines d'années. Et le cheval, c'est pas un joujou, c'est pas un toutou. Il faut le. Si vous avez envie de les remercier en les applaudissant, ça leur fera plaisir. N'hésitez surtout pas. Alors, ok, percheur américain. Et pourquoi elle est un peu comme ça, apparemment, à Gassaliche? On aime nos chevaux et on les respecte. Donc, une jument ardennaise qui a... Auxoise, pardon. La robe est tellement identique, parfois. Auxoise de 25 ans. Alors, pourquoi on peut faire une confusion? Parce que le cheval auxois est toiletté... Natté, mais l'expression c'est toiletté. Ah, quand on voit la robe, oui, on va attendre. Oui, oui, vas-y, fais-le rentrer. Oui, oui. Quand on voit la robe, on peut confondre. Mais le bras, pas toujours aussi grand effectivement que le coq, mais ils sont très gentils. Le col et la bride en cuir blanc. Voilà, merci à ces trois éleveurs. On les reverra tout à l'heure. Et souvenez-vous qu'à 15h, un grand défilé dans le centre. Voilà. Les ânes et les ânesses. Alors, ces petits copains. Alors, l'âne, comme ça, ils ont l'air. Je le répète à chaque fois, bête comme un âne, c'est stupide de dire ça. C'est pas bête du tout, un âne. C'est très malin. Pas battu. Non, non, madame. Batté. Vous connaissez l'expression? On disait, il est bête comme un âne batté, dans le temps. Alors, deux secondes, vous avez... Non mais c'est un garde champêtre un peu... Il est un peu original parce que c'est pas lui qui joue du tambour. Il a fait... Alors je suppose que c'est lui qui a fabriqué ça. C'est d'origine. Il a refabriqué parce que Joël fabrique tout, à peu près. Donc il a remis en état... Alors je sais pas comment on appelle ça, un batteur... Les gueules cassées, vous vous souvenez de ça? Il y avait la loterie des gueules cassées dans le temps. Alors les gueules cassées, les pauvres qui revenaient de 14 ou après, et ceux qui jouaient du tambour ne pouvaient plus en jouer à cause d'un bras ou de... Voilà. Et on a fait fabriquer cet engin très particulier que même à titre personnel, je ne connaissais pas. Merci Joël. Tu as une annonce à faire, vas-y. Avis à la population, les habitants pourront ramasser le crottin de nos animaux pour leur jardin et leurs fleurs. Merci de votre compréhension, le maire. Deuxième avis, aux éleveurs de chevaux. Le maréchal Ferrand ne sera pas là ce jour, car il a été déféré au parquet pour cause de mauvais aplomb. Merci à vous. Très bien, merci Joël. Alors, vous pouvez regarder ça de près pour ceux qui... On a quasiment jamais vu ça, hein, la petite mécanique qui remplace le bras de la gueule cassée rentrant de cette horrible guerre de 14-18. Voilà. Bon, on pouvait plutôt faire ça. Et on obtient cette race particulière qui est la race Poitevine du Lacière. Avec sur le dos, tu vas nous la montrer, Aurélie. Voilà, arrête-la là. S'il veut. Mets la croupe vers le public, voilà, bouge plus. Oui, c'est courageux. Oui. Oui, c'est grand. Et celui-là est un peu grand. Il est un peu grand. Et en plus, il est jeune, il n'est pas fini, donc on espère qu'il va s'arrêter là. Ouais, superbe. Alors, on appelle cette robe la robe Isabelle. Le jour où j'aurai plus une robe comme ça, et on a appelé la robe de ces chevaux-là, du nom de la reine. La grosse erreur. Regardez la souplesse et la légèreté. Et oui, on emploie le mot légèreté. De ce cheval, de cette jument percheronne.
qui appartient à la maison Bélier. On ne dit pas Monsieur Bélier, on dit la maison pour un élevage. Région du Perche, inutile de le préciser, entre la Normandie et des régions plus à l'ouest. Tu l'arrêtes oh. Comme tu veux, vas-y, là c'est bien, allez, on la fait reculer, regardez bien, encore, plus fort que ça, là, encore une fois, voilà, on avance, alors elle a fait comment? Et on termine avec des coffres, je crois qu'on a fini après, Maud. Les coffres de la maison Ragon et Moussu. Alors on a 4 baies, dont 2 baies bruns, quasiment baies bruns, oui, les deux derniers sont baies bruns. On va les arrêter, Maud. La robe alzane, crin, queue et robe de la même couleur, le cheval alzan, et puis les autres, surtout les moussus, là, sont baies bruns. Ceux qui sont vermois sont presque noirs. Donc les chevaux, rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Je peux la toucher derrière? Moi, je ne fais pas ça pour les vendre, ils sont à la maison avec moi. Caline, celle-là. Elle est née à la maison. Tous les projecteurs et devant la musique. Jamais. Ils rentrent à l'écurie. Ça fait que chez les chevaux, pardon aussi de décevoir un peu notre public ici à Toussy. Moi, je nourris mes chevaux si mon ami que je connais. Avec deux cobs normands. Ensuite,
On peut les applaudir, hein, c'est soit un petit peu comme ça, bien bien. Hubert Pacquez avec ses hautes formes et puis vos dragons qui sont là, avec deux gommes normands également. Avec une percheronne là-bas et une auxoise et Angélique Duchesne. Le départ de nos cavaliers et de nos équipages.